Alors, l'objet de cette conférence est le basculement. Point d'interrogation. Alors, de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'un basculement ? Alors, s'agit-il d'un basculement historique, politique, social, économique ou religieux ? Alors, comme je suis catholique, il m'a plus intéressé d'avoir l'œil de la religion. Alors, il y a bien eu un commencement, quelque part. Alors, est-ce la révolution industrielle ? Est-ce la révolution dite française, dite populaire de 1789 ? On peut remonter jusqu'à la non-consécration de la France au Sacré-Cœur, que Louis XIV n'a pas fait. Est-ce un complot ? Est-ce un projet ? Il faut remonter jusqu'à Adam et Ève, déjà pour comprendre quel est le premier complot contre l'humanité, avec l'acceptation des quatre mensonges. Alors, rappelons rapidement pour mettre le décor, quels sont ces quatre mensonges. Vous ne mourrez pas. Et par cette blessure de faiblesse, nous avons toujours la réincarnation dans les religions aujourd'hui. Vous aurez les yeux ouverts avec cette blessure de l'ignorance, et nous avons aujourd'hui tout l'ésotérisme, toute l'initiation spirituelle avec certains critères comme la franc-maçonnerie. Je rappellerai quand même que la religion catholique est exotérique, c'est-à-dire publique. Vous serez comme des dieux. Bien sûr, là, c'est la blessure de convoitise, de concupiscence. Et on a tout le panthéisme derrière qui s'y cache. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Et là, bien sûr, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est la malice. Et nous avons les vérités, chacun a sa vérité, nous naviguons en plein relativisme. Alors, qu'y a-t-il de changé entre aujourd'hui ? Entre-temps, il y a eu un sauveur, il y a eu notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en sacrifice pour corriger toutes ces blessures. Alors, bien sûr, pour nous, tout a changé. Alors, on pourrait se poser la question, pourtant, l'arbre qui était bien au milieu du paradis, cet arbre de la connaissance, avec de bons fruits, puisque c'était le paradis, il était bien visible. Il y avait une seule règle, à ne pas toucher, à appliquer, c'est de ne pas toucher aux fruits. Alors, saint Jean Chrysostome nous dit bien, ils étaient le passage entre la vie et la mort. C'est tout simple. Et Dieu, pour autant, il a permis que Satan, sous le déguisement du serpent, puisse séduire Ève et que Adam soit responsable d'avoir accepté le fruit. Alors saint Augustin nous dit, la tentation entre en nous par négligence avant désobéissance. Alors voilà même ici la source du basculement. C'est donc par l'oubli des commandements de Dieu que nos premiers parents furent chassés du paradis. L'homme s'est distrait de la présence de Dieu, par contemplation, par hypnose peut-être, des choses visibles, séduisantes, et puis l'envie qui
qui s'y glissent. Alors on les connaît, les suites de ce péché sur nos premiers parents. La raison est obscurcie. Il n'y a plus d'Esprit Saint. L'affaiblissement de la volonté, qui s'incline plutôt au mal. Il n'y a plus de grâce sanctifiante. Et bien sûr, il n'y a plus d'entrée au ciel dans ces conditions. Alors pourquoi, on peut se poser la question vraiment aujourd'hui, pourquoi nos élites qui nous gouvernent, ils ont oublié les commandements de Dieu comme nos premiers parents? Pourquoi nous étonnons-nous que ces mêmes élites combattent notre Seigneur Jésus-Christ, comme le peuple d'ailleurs manipulé du Sanhédrin au moment où ils ont crié « Libérez Barabbas !» Et pourtant, les pharisiens étaient issus des meilleurs des meilleurs. C'est ceux qui venaient de Moïse qui ont gardé la foi. Alors, on peut se poser la question, mais qu'avons-nous fait? Nous avons eu Danton, Westermann, la Vendée s'en souvient encore. J'ai écrit cette pièce, Bal et Masque, pour décrire les conséquences de cet oubli de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Sacré-Cœur, par le peuple de Venise, qui était d'une république qui a vécu 1000 ans. Donc imaginez-vous qu'aujourd'hui, on pourrait se placer dans la même situation en disant « Mais notre République, elle peut être éternelle. » Alors oui, cette pièce est en alexandrin parce que j'ai voulu que ce soit le meilleur que je puisse faire pour la gloire de Dieu. Donc oui, elle est en alexandrin, il y a à peu près 2500 vers. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé à deux abbés de me corriger, de censurer si jamais il y avait un vers qui pouvait offenser notre Seigneur. Alors oui, nous avons l'impression que nous avons des étrangers à la tête de la France. D'ailleurs, il n'y a pas que de la France qui est devenue apostate. Étranger en tout cas à notre Seigneur Jésus-Christ, étranger à son Sacré-Cœur, qui lui, comme Sainte Marguerite Marie l'a dit, a tant aimé les hommes, et n'a reçu en retour qu'indifférence, mépris, ingratitude. Alors celui qui dirige ne connaît pas la France, on le sait bien, puisque il connaît la Guyane est une île, il ne connaît pas la culture française. Et je doute qu'il connaisse le caractère, la différence entre la Bourgogne et la Bretagne. Et on peut se poser la question, mais alors que s'est-il passé à Venise, une république de 1000 ans, qui était sûre d'elle-même, très démocratique? Que s'est-il passé? Eh bien, il faut savoir que le doge de Venise, qui était le dernier doge, était un étranger de Venise. Il était du comté de Frioul. Et il y avait un proverbe qui disait que, une fois que le doge ne sera plus de Venise, la République de Venise disparaîtra. Et elle a disparu. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une magnifique coquille vide où le touriste peut passer. Alors les Vénitiens d'avant 1797, date de leur fin, de leur basculement vers la disparition, ils ont laissé faire. Savez-vous qu'au-dessus du doge, il y avait l'image, une très grande belle peinture du Saint-Esprit,
près les Français d'avant 1789. Ils ont laissé faire, ils ont été hypnotisés, séduits par des choses visibles. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Sainte Marguerite Marie avait demandé en 1689 à Louis XIV de consacrer la France au Sacré-Cœur. Il l'a oublié. 100 ans plus tard, nous avions le résultat. Alors qu'attendons-nous? Oui, on peut se plaindre du prix de l'essence, c'est important. Ça nous aide à vivre tous les jours. Ça nous met beaucoup dans l'embarras économique. Mais en fait, le vrai basculement, c'est que nous sommes responsables devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est chaque jour que ce basculement peut avoir lieu. Et pourtant, il y a eu des hommes qui se sont levés, qui ont écrit pendant tout le XIXe siècle, toute la contre-révolution. Il faut les écouter, il faut les lire, ces gens-là. Parce qu'ils ont étudié, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont subi les conséquences. Alors on peut se demander où est notre confiance totale en la protection de la Sainte Vierge. Pourquoi doutons-nous? Parce qu'elle dirige les armées de Saint-Michel. Il n'y a aucun doute. Elle est corédomptrice, elle est reine de France. Rappelons que Louis XIII le Juste a consacré la France à la Sainte Vierge. Charles VII, auparavant, avait consacré notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France, par l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc. Alors oui, nous nous plaignons, il y a beaucoup de pouvoir dans cette franc-maçonnerie qui fait état d'ailleurs en Mondovision, rappelez-vous, en 2017, son tricentenaire à Londres, en montrant tout son pouvoir. Nous avons fait notre œuvre, semble-t-il dire. Alors, que va-t-il se passer? Que peut-il se passer? Bien, j'ai découvert récemment une soi-disant religion qui proclame l'unité spirituelle de toute l'humanité. C'est la religion heureuse, heureuse. Alors, quelle est cette religion, comme elle est définie aujourd'hui? Elle s'appelle la religion Baha'i. B-A-H-A. Apostrophe I. Elle est dans la continuité des religions monothéistes. Et là, j'ai besoin de lire mes notes parce que je ne suis pas un spécialiste. Alors, laissez-moi planter le décor. 7 millions d'adeptes dans le monde. 50% en Asie, 30 000 en Angleterre, 5 000 en France, et les adeptes sont présents dans les 193 pays de l'ONU. Est-ce anodin? Rapidement, son histoire. Cette religion, elle est ésotérique, donc nous savons tous que c'est ésotérique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'est compréhensible que des initiés. Petit rappel. Elle émerge en Perse au XIXe siècle, à Téhéran, 1817, d'origine chiite. Un certain Mohamed Siraghi, né à Shiraz. Alors Shiraz, c'est pas le cépage. D'origine chiite, donc, j'ai dit, il est porteur du message de Dieu. Lequel? Il annonce l'arrivée du nouveau Mahdi, sauveur du monde. Cette annonce est faite en 1844. Alors, quels sont les fondements de cette religion?
Premièrement, il y a une fausse trinité. Bien sûr, il faut remplacer notre religion, donc c'est toujours la même chose. Alors, de quoi est-elle faite ? Un seul Dieu unique, ça c'est important. Une seule religion mondiale universelle. Une seule humanité dans une même famille. On a le village planétaire ici. De sorte que la dignité humaine est la chose la plus importante. Le respect humain. Saint Ignace nous rappelle ce qu'est le respect humain. Deuxième fondement, toutes les religions n'aspirent finalement qu'à un seul enseignement. L'unité, la paix. Dans le monde. Le corollaire, bien sûr, c'est que les différences ne sont qu'historiques, culturelles, sociales ou économiques des autres religions. Donc on comprend qu'elles commencent, l'idée est de chapeauter l'ensemble des plus de 10 000 religions, selon Wikipédia, qui existent dans le monde. C'est un doux mélange entre Zoroastre, Krishna, Moïse, Mahomet, Jésus, bon, pourquoi pas, Bouddha, Abraham. Donc c'est aussi Noachie. Ils sont tous prophètes, messagers de Dieu, permettent l'avancement de la civilisation. C'est une sorte d'accélérateur pour permettre à l'humanité une nouvelle progression des consciences. On voit derrière déjà le New Age a bien travaillé. Donc on s'élève vers un Dieu unique. Alors quels sont ses attributs à cette religion ? Alors, la religion et la science sont absolument complémentaires et doivent vivre en harmonie. La valeur centrale, c'est l'éducation obligatoire des jeunes, priorité aux filles. Si les parents n'ont pas le sou, il y a une priorité aux filles. Afin que la paix universelle règne dans leur tête. Donc l'éducation a bien deux colonnes, deux piliers, religion et science. La parole, comme dit quelqu'un, circule bien entre les colonnes. Alors les talents à acquérir, l'altruisme, la tolérance, le respect des différences, c'est magnifique. Et bien sûr, il prévoit une seule langue internationale commune. Le lieu, ben c'est là où est enterré le serviteur de Baha, c'est Israël, qui est le lieu de pèlerinage, des Bayaïs, du monde entier. Il est aussi le lieu de toutes les institutions de cette religion. Il est le centre administratif. Et où est-il, ce centre administratif ? Sur le mont Carmel. Et cela depuis 1908. Après la création de l'État d'Israël, un certain Shoghi Effendi a augmenté l'ampleur du mouvement en achetant des terrains autour du mausolée, avec une création de jardins surplombant Haïfa. C'est tellement magnifique que ces jardins ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quels sont les rites ? C'est très facile, il n'y en a pas. Il suffit de prier où on veut et comme on veut. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de texte formel, il n'y a pas de cérémonial, mais ils se servent de la Bible et du Coran, bien sûr, et d'autres textes. Il n'y a pas de conversion. Donc, c'est une décision individuelle d'y adhérer. Seul le jeûne annuel est exigé de 19 jours, hein, lever, coucher du soleil, on connaît l'histoire. Donc, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Et il débute le 2 mars. La violence est proscrite sous toutes ses formes. Aucun fanatisme religieux. Donc c'est religion heureuse, heureuse. Non-violence, non-résistance. Pas de prosélytisme, il est interdit, surtout à Israël.
et aucune relation locale à prier ensemble n'est admise à Israël. Donc politiquement, vous m'avez écouté pendant quelques minutes, et vous vous dites, mais de quoi parle-t-il? Cette religion a le statut d'ONG à l'ONU depuis 1948. Son statut est consultatif auprès du Conseil économique et social et auprès du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Les relations de travail avec l'OMS, c'est là où je dois sortir certains masques. J'ai le choix. Est associé au programme des Nations Unies pour l'environnement. Et son siège, eh bien, il a un bureau indépendant à l'Union européenne. Il y a une ONG extrêmement connue aux USA, qui est la Thierry Justice Center, qui aide les femmes immigrées confrontées à des violences sexuelles. Magnifique combat. Il y a une reconnaissance internationale dans plus de 200 pays, comme je l'ai dit, et je rappelle que c'est dans les 193 pays reconnus par l'Internet. Alors pourquoi parler de cela comme quelque chose qui pourrait sortir de nulle part, un peu comme le Covid? Monseigneur Vigano pourrait lui laisser le mot abbé Vigano, a dit Vatican II fut un coup d'État le 1789 de l'Église. Je crois qu'il l'a repris. Alors que dit Vatican II? Il permet et promeut la liberté religieuse, d'ailleurs qui avait été condamnée par les papes Grégoire XVI et Pie IX. Monsieur Wojtyla, dit aujourd'hui Saint Jean-Paul II, conclut son homélie du 21 mars 2000 en Jordanie par ces mots, je cite, que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Le concile de Bâle, je rappelle en 1431, avait parlé, avait condamné l'islam et la décrivait comme une secte maudite. L'esprit d'Assise en 86, rappelez-vous, la réunion œcuménique, l'unité de la famille humaine, dira Monseigneur Etchegaray, puis le baiser du Coran, l'édition en 2020 de l'annuaire pontifical qui relègue le titre de vicaire du Christ sur terre au rang de notes historiques en bas de page. Vatican II prône aussi l'abandon de l'apostolat. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de prosélytisme, était interdit. Il n'y a donc non plus d'enseignement sur la gravité du péché mortel. On ne prêche plus sur l'enfer non plus. Donc nous avons fait place à une sorte de religion catholique qui est un simple épanouissement personnel. Vous commencez à sentir le parallèle. Réconciliation avec le monde. Œcuménisme religieux qui enseigne qu'être catholique n'est pas une nécessité pour être uni à Dieu, donc converti. Pas de conversion, je rappelle, pour les baïanistes ou baïani. La création en 2022 à Abu Dhabi de la maison de la famille d'Abraham, donc c'est-à-dire l'église catholique, la mosquée et la synagogue, qui a été présentée à New York en 2019, d'un grand projet, est d'établir une religion mondiale sur le bâtiment, en réalité, puisque les bâtiments ont été créés. Et bien sûr, sur le bâtiment, on a enlevé la croix catholique
Et que nous a dit M. Bergoglio, dit François, je préfère éliminer les éléments pour l'œcuménisme. Alors en conclusion, est-ce que nous allons accepter ce basculement supplémentaire d'aller vers cette pseudo-religion qui est un potentiel important, qui est celui du plus petit dénominateur commun, d'une coquille vide, certainement magnifique, religion heureuse, heureuse. Les Vénitiens s'en souviennent, peut-être aujourd'hui, d'avoir oublié notre Seigneur Jésus-Christ. Le corollaire aussi de tout cela, c'est qu'il pourrait y avoir, bien sûr, une seule justice, une seule armée, une seule police, une seule administration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Charles VII, Louis XIII, ils ont fait le travail, même avec peut-être leur travers. Mais ils ont mis sur le trône de France notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Aujourd'hui, nous devons prier pour que le Sacré-Cœur règne sur le trône de France. Alors nous savons que le basculement est profond dans notre pays, qui donne le droit au blasphème. Donc il est du côté de la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est du mauvais côté de l'arbre. Alors est-ce que la question que nous posons aujourd'hui, va-t-on laisser nous conter l'histoire de la France et du monde par un enseignement des champions du Scrabble? Madame Borne vient de donner 3 millions pour les LGBTQSRF, je m'arrêterai là. Et l'histoire de France, et comme d'ailleurs toute l'histoire de l'humanité, est incompréhensible sans l'œil catholique. Je vais juste donner un exemple, si j'ai encore le temps. Charlemagne était en guerre depuis 30 ans avec le royaume des Saxons. À la dernière guerre qu'il fait, tous les prêtres, tous les missionnaires sont éliminés par les révoltés saxons. L'armée de Charlemagne est battue. Charlemagne se déplace au pays des Saxons. Et cette fois-ci, il quitte tout le monde et il revient dans son pays. Il a pacifié le royaume des Saxons. Ascuin, qui était son conseiller, l'histoire ne dit pas qu'il était abbé, intéressant, lui dit « Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons envoyé des missionnaires. Ils ont été tués. Ils ont été persécutés. Oui. » Mais il faut recommencer. Charlemagne hésite. Le roi des Saxons, après cette paix, vient assister à une messe au pays de Charlemagne et il voit la communion qui est célébrée, bien sûr, la Sainte Messe est célébrée, il voit les personnes qui se dirigent pour l'Eucharistie et il voit un petit enfant qui donne cette communion. Alors, cet enfant, il est très réjoui avec un certain nombre de personnes. Il est plutôt placide, plutôt indifférent avec d'autres personnes. Et puis, il hésite à donner cette communion à un autre groupe de personnes. Et le roi des Saxons demande autour de lui, « Mais vous avez vu cet enfant ?» Personne ne l'a remarqué. Et il était venu incognito. Mais les hommes de Charlemagne ont vu qu'il était là et ils lui disent « Mais venez à la cour de Charlemagne, il vous expliquera. » Charlemagne fait donc reçoit le roi des Saxons, lui demande ce qu'il a vu
Le roi des Saxons le décrit avec détail. Et Charlemagne répond, mais vous avez assisté à un miracle. Et que dit l'histoire? Ce roi des Saxons s'est converti. Et on ne sait pas pourquoi. Personne ne dit pourquoi. Et il y a eu la paix entre le pays de Charlemagne et le roi des pays des Saxons. Alors voilà plus de 230 ans que la France combat avec de faux principes. Le résultat, à chaque fois, est pire. Alors, bien sûr, si la plupart des personnes refusent l'amour de notre Seigneur, eh bien, les sociétés, elles, iront du côté des injustes. Le Padre Pio disait « Mon arme, c'est le chapelet. » Et il agissait en très grand confesseur. Et il disait aussi, si on pouvait voir tous les démons qui sont dans le ciel, ils cacheraient la lumière. Le Padre Pio lisait dans les âmes, je le rappelle. Alors reprenons l'amour de la vertu en étant bienveillant, c'est-à-dire vouloir le bien, même si en retour nous n'avons qu'indifférence, ingratitude et mépris. Rappelons que les aides-soignants ne sont toujours pas, je crois, à ce jour, repris de leur non-inoculation. Alors nous demandons de puiser nos forces dans les béatitudes, afin que le Sacré-Cœur règne sur le royaume de France. Je vous remercie. Je remercie aussi, et pardon de l'avoir oublié, Aline et Cédric qui ont permis toute cette organisation et cette réunion. Et surtout un grand merci à vous qui êtes venus de loin, voire de très loin, assister à cette conférence multiple. Merci à vous. Poser des questions, nous avons le temps, il y a un micro baladeur si jamais. Il n'y a qu'à lever le bras. Il y a une question. Oui, bonjour. C'est bien Ba'a'i? Oui. C'est ça? Oui. Et c'est pas dit. À Baal, qui est en fait le côté obscur, les ténèbres. Vous devez fermer. C'est en réalité, c'est B-A-H-A. I. Alors je n'ai pas cette référence. C'est possible. Mais. Il y a une grosse ressemblance entre Baal et puis Ba'a. Mais c'est un doux mélange, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois de toutes les religions, la vraie et les fausses. Mais est-ce que c'est un peu il y a l'initiation. Et là, c'est plutôt de la contre-initiation. Puisque la base de la connaissance, c'est quand même avec l'initiation. Il y a toute la symbolique, la gestuelle, ce qu'on a fait pour les rois de France, avec la cathédrale de Reims, c'est une initiation. Ici, là, en fait, ce système est plutôt une contre-initiation de manière à supprimer c'est le monde des ténèbres par rapport au monde de la lumière. Alors, je ne parlerai pas d'initiation pour la religion catholique.
quand même. Les rois de France. Ce n'est pas le bon mot, en réalité. Comment dire ? Les grâces s'opèrent pour tous, baptisés, non baptisés, et le libre arbitre nous permet, par la volonté, de demander un enseignement, et nous recevons des grâces. Mais ce libre arbitre, il est acquis par un enseignement qui est public, qui est connu. Donc je ne parlerai pas d'initiation. Vous voyez ? L'initiation est quelque chose de plutôt caché. Et il n'y a que les initiés qui ont droit à cette connaissance, comme la franc-maçonnerie. Et je pense aussi, de l'autre côté du spectre, comme les jansénistes, dont Marion Cibot parlera, je pense, tout à l'heure. Merci. J'ai bien répondu. Donc, en quelque sorte, c'est une religion universelle, la religion baïste. Est-ce qu'ils reconnaissent quand même que chaque pays peut conserver sa foi d'origine ? Religion catholique en France, fidèle à l'Église, pourquoi pas en Russie la religion orthodoxe, pour ne parler que des chrétiens, hein, parce que ça peut être, puisque c'est une religion universelle. Est-ce que donc, je reviens à la question de base, puisque j'ai fait un petit tour, est-ce qu'ils reconnaissent l'existence de la religion catholique en France? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un doux mélange. Donc, ce doux mélange, il n'y a que des prophètes. Ils n'ont permis que l'accélération à un état de conscience. Oui, mais c'est bien. C'est bien une accélération de la conscience. Quand même. Bien sûr. Elle est divine, la conscience. Oui, bien sûr. Mais il n'y en a qu'une. Où est le problème ? Il n'y en a qu'une. Oui, mais il n'y en a qu'une. Mais il n'y a qu'une conscience, mais il peut y avoir des projections culturelles de foi en fonction des territoires. C'est ce qu'on observe en France. Moi, je ne suis pas catholique, mais je respecte... Peu importe les étiquettes, monsieur. Moi, je suis un chercheur de vérité, je vous réponds. J'ai été baptisé, j'ai fait mon premier communion, et puis... Le destin a voulu que je m'éloigne, mais je reste profondément attaché, si vous voulez, à ces valeurs. Moi, non, mais il n'y avait aucun... Non, je ne te prends pas comme une attaque, monsieur. C'était juste... Non, je croyais que je vous avais répondu. Bien. Moi, j'estime que l'essentiel, c'est la conscience, qui pour moi est divine. Notre Seigneur... Où est le problème ? Notre Seigneur Jésus-Christ a répondu... Oui. Si vous n'êtes pas avec moi... Vous êtes contre moi, si vous n'amassez pas avec moi, vous dispersez. En réalité, je n'ai plus de voix. En réalité, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a le paradis et il y a l'enfer. C'est tout. Donc, toute autre religion ou qui se tarit d'être une religion est contre notre Seigneur Jésus-Christ. Le laisser faire n'est pas être avec. Mais il retente à dire. La solution pour vous, c'est d'être dans l'amour, en fait. C'est la seule chose qu'on peut faire pour combattre avec amour, ça va pas en sauver. Mais c'est la vertu que les béatitudes nous ont donnée via notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire du tout ne rien faire, ne pas combattre.
Saint John disait d'ailleurs, les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Donc nous avons notre mission, la toute première mission, c'est de ne pas oublier son Sacré-Cœur, puisqu'il est absent de ce pays dont Sainte Marguerite Marie à la Coque a demandé. Elle a demandé au roi de France, écrit de sa main. Et nous en sommes toujours là. Je vais vous donner, s'il vous plaît, mon idée un peu sur les Bahaïs que je connais depuis ma tendre enfance, pas eux personnellement, mais... Merveilleux. Oui. Je peux vous dire que, étant née dans un pays arabe, je suis libanaise, et j'ai baigné dans la culture, la vraie culture, parce que j'avais une famille très cultivée sur le plan religieux. Et plus on est cultivé religieusement, plus on est ouvert et indulgent, contrairement à ce que les gens croient. Depuis ma tendre enfance, pour nous, les Bahaïs étaient un secte qui est venu des chiites, mais qui ne sont plus du tout des chiites, et qui sont des sionistes. Je m'excuse de dire ce que je pense et ce que nous pensons. Et vu qu'ils n'ont pas augmenté en nombre ni en importance, ils étaient obligés de s'infiltrer dans ce que vous venez de dire pour qu'ils ne perdent pas leur présence et pour faire le projet qu'ils sont en train de faire, ou bien ils ont existé pour ça. Les Bahaïs, c'est une famille, Bahaïdine, c'est perse, comme vous le dites, c'est purement perse, issu de l'islam chiite, mais qui n'a plus rien à voir, et l'idée principale était un projet sioniste. C'est mon idée, hein. Pour rejoindre justement madame, ça marche ? Vous parlez près, oui, il est éteint. Pour rejoindre ? Vous parlez assez près. C'est bon ? Allez-y, pour allez-y. Ce que disait madame, justement, c'est un projectionniste. J'ai écouté le pasteur Steven Anderson, qui est un pasteur évangélique nouveau baptiste. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement-là, ils sont anti-sionistes. Et donc, ils en parlent aussi du bahaïsme, que c'est un gros problème aussi. Donc, par curiosité, ceux qui veulent voir le pasteur Steven Anderson, il en parle notamment dans la marche pour Sion. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. C'est 11h, je fais une citation, il n'y a pas jamais de... Pour terminer, je suis désolé, il faut qu'on arrête les questions, mais je vais quand même vous citer Pie XII. Pie XII, qui a été extrêmement critiqué pendant la Seconde Guerre mondiale, a quand même rappelé un jour à ceux qui critiquent Pie XII que Israël Zoli, qui était le grand rabbin de Rome à l'époque, s'est converti au catholicisme en 1945, en prenant d'ailleurs pour nom de baptême le nom d'Eugenio, qui est le prénom, l'un des prénoms de Pie XII. Que disait Pie XII ? Je sens autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la Sainte Chapelle, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements, procurer du remords pour son passé héroïque. Eh bien, mon cher ami, puisqu'il écrivait à un ami, j'ai la conviction que l'Église de Pierre doit s'approprier de son propre passé, sinon elle se creusera d'elle-même par sa tombe. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera, comme Pierre a douté. Elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu, que son Fils n'est qu'un symbole, une philosophie, comme tant d'autres. Et dans les églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend, comme la pécheresse qui cria devant la tombe vide. Où l'ont-ils mis ? Je vous remercie.